Annenberg Media. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Our two heroes have just caught each other's eye and stand smiling in the courtyard of the Sorbonne. On an upper floor, Jean-Pierre, the pickup artist, reveals the tricks of his trade to a not very appreciative audience. Le Quartier Latin à Paris. C'est une très belle matinée de printemps. Il est 11 heures. C'est le 29 mai. Il y a une grève d'étudiants, évidemment. Robert, un jeune Américain, vient d'arriver à Paris. En ce moment, il est dans la cour de la Sorbonne. Il sourit à une jeune fille. Mireille, une jeune Française qui étudie l'histoire de l'art, est aussi dans la cour de la Sorbonne. Elle sourit à un jeune homme. Un autre jeune homme traverse la place de la Sorbonne. Il a l'air de s'ennuyer. Il s'approche d'une jeune fille. Pardon, mademoiselle. Est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît? Pendant ce temps-là, au deuxième étage de la Sorbonne, une dizaine d'étudiants attendent devant un bureau. Un jeune homme arrive. Tiens, c'est le même. Il examine la situation et tout de suite se dirige vers la tête de file. Il s'approche d'une jeune fille brune qui porte une robe violette. C'est vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Comment ça va depuis l'an dernier ? La jeune fille le regarde étonnée. Comment, vous ne me reconnaissez pas ? Mais si, voyons, on était dernier à Saint-Tropez. Moi, à Saint-Tropez ? Impossible. D'abord, j'ai horreur de Saint-Tropez. Puis les nanas et les fils à papa et les yachts, c'est vraiment pas mon genre. Puis je déteste l'été. Je passe tous mes étés en Patagonie. Mmh. Parce que l'été, là-bas, c'est l'hiver. Élémentaire, mon cher Watson. Voyez, votre truc avec moi, ça marche pas. Des voix commencent à protester. Il n'y a pas de risque, hein. Non, le risque, hein. Ah, la queue, voilà. Mais ça va, j'y vais à la queue, surtout me plus draguer une fille en passant maintenant, où va-t-on? Le jeune homme va se placer au bout de la file. Il s'approche d'une jeune fille qui porte une robe verte. Pardon, mademoiselle, vous avez du feu? Non, je ne fume pas. Demandez à Jean-Luc. Et tiens, voilà. Il tend son briquet Bic. Merci. Je m'appelle Jean-Pierre Bourdon. Et toi ? Jean-Luc Marchand. Et vous ? Elle, c'est Annick. Son frère Philippe, Nadia, Ousmane, des copains. Mmh. Qu'est-ce que tu fais comme étude ? Je fais de la sociologie et du droit. Ah, t'as raison. Le droit, ça mène à tout. Et vous ? Elle, c'est une matheuse. Ah ouais, ça m'étonne pas. Aujourd'hui, toutes les filles font des maths. C'est la nouvelle mode. Moi, j'ai une copine qui vient de rentrer à l'X. Mais c'est un cerveau, hein. Elle veut se spécialiser en informatique. C'est un truc qui a de l'avenir, ça, l'informatique. La biologie aussi, remarquez. Ou l'astrophysique. Moi, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Pour l'instant, je fais une maîtrise de psycho. Je vais peut-être faire médecine. Ou la psychanalyse. En tout cas, les psys font leur beurre, ça, c'est sûr. Ou alors, peut-être que je vais faire HEC, tiens. Ou l'IDEC. Tu n'as pas l'air très fixé, quoi. Ah non. Je ne veux pas me décider trop jeune, c'est trop dangereux, ça. Et quel âge as-tu, au juste ? Moi ? 29 ans, pourquoi ? Oh, rien. Comme ça, pour savoir.
Hé, hey, viens voir. Une fille formidable là-bas. Quoi? Là, c'est la petite fille de Greta Garbo. Sans blague, où ça? Là, là, dans la cour à droite. Laquelle? Celle avec le pantalon blanc, le chemisier bleu et vert et le foulard? Mais non, pas celle-là, l'autre à côté. Ah, la blonde? Mais non. Pas celle avec le pull blanc et cette horrible jupe rouge de prise unique qui sourit d'un air imbécile. Non, c'est la côté, la rousse, avec le jean gris et la veste noire. Je la connais, la rousse. Elle fait du russe, au Lanzo. Mais ce n'est pas la petite fille de Greta Garbo. Hein. Ah bon? D'ailleurs, Greta Garbo n'a jamais eu d'enfant. Ah bon? En tout cas, elle est très bien quand même. Tenez, il y a un drôle de type qui s'approche d'elle. Un type avec un imper noir et un chapeau noir. Il va essayer de la draguer, c'est sûr. Ça y est, il lui demande du feu. C'est classique. C'est même un peu élémentaire. Ça oui, je crois qu'on peut le dire. Ça ne doit pas marcher souvent, ce truc. Et comment est-ce que tu fais, toi, pour engager la conversation? Ben, je sais pas, moi. Il y a plein de trucs. C'est pas les trucs qui manquent. Bon, tenez, par exemple, vous dites « Tiens, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites là ?» Comment ça va depuis l'an dernier? Bon, la fille vous regarde d'un air étonné. Comment? Vous ne me reconnaissez pas? Vous ne vous souvenez pas de moi? Mais si, voyons, l'été dernier à Saint-Tropez, ou l'hiver dernier à Courchevel, ou en Patagonie. Ou bien l'année dernière à Marienbad. Comment? Vous n'êtes pas... Et vous dites un nom. Catherine Deneuve, Greta Garbo, Jacqueline Dupont, n'importe quoi? Non? Ah ben là, c'est fou ce que vous lui ressemblez alors. Mais où est-ce que vous passez vos vacances? Enfin voilà, ça c'est un truc qui marche à tous les coups. Hmm? Ou bien alors, je sais pas moi... Vous faites semblant de tomber devant elle dans un escalier. Hmm? Ou bien alors, je sais pas moi... Vous laissez tomber des papiers devant elle... Elle vous aide à les ramasser, vous la remerciez, et voilà, c'est parti. Tout ça, c'est pas bien neuf, on connaît. Vous n'avez rien de mieux. Ça va pas vite, hein? Ça fait longtemps que vous attendez? Une bonne demi-heure. Ah zut alors, je peux pas rester, moi. J'ai un rendez-vous avec une fille superbe à l'escolier. Je me sauve. Le jeune homme s'en va. Ah là là, il est puant ce mec. Une fille superbe, on dirait qu'il parle d'un cheval. Pour qui se prend-il celui-là? Quel horrible dragueur. Il s'imagine que les filles sont là que pour lui tomber dans les bras peut-être. Et il n'est même pas beau. Quelle tête d'idiot. Ah, ça me tue des types comme ça. Bon, fille, il n'est pas bien malin, mais il est inoffensif. Eh bien, c'est ça. Défends-le. Ah, vous êtes bien tous les mêmes, vous les hommes, tous aussi sexistes. Tu es inscrite au MLF, toi, maintenant. Quand je vois des types comme toi, j'ai bien envie de m'inscrire, tiens. Bon, voyons maintenant. Un jeune homme traverse le boulevard. Les gens traversent la rue. Le pont traverse la Seine. Le jeune homme traverse. Ce jeune homme, c'est Jean-Pierre, Jean-Pierre Bourdeau. C'est un dragueur. Il essaie de draguer toutes les filles. Ici, il essaie de draguer Mireille. Ici, il essaie de draguer une autre jeune fille. Ici, il essaie encore de draguer une autre jeune fille. C'est un dragueur. Ce monsieur aussi est un dragueur. Pour draguer les filles, Jean-Pierre a plusieurs trucs, plusieurs systèmes. Par exemple, il dit... Tiens, c'est vous, qu'est-ce que vous faites ici? Ben comment, vous ne me reconnaissez pas? C'est un truc, un système. Tonton Guillaume aussi connaît des trucs. Je vais prendre ton nez. Hop, voilà. Ouais, c'est pas mon nez, c'est un truc. Jean-Claude aussi a des trucs, regardez. C'est un truc qui marche à tous les coups. Vous allez voir. Ça va pas, non? Vous voyez? C'est un bon truc. Ça marche. Mais là, ça ne marche pas. Ce téléphone ne marche pas. Un des trucs
de Jean-Pierre pour engager la conversation avec une jeune fille, c'est de lui demander si elle a du feu. Pardon, mademoiselle. Est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît? Ça, c'est un feu. Là, un feu rouge, un feu orange et un feu vert. Jean-Luc a du feu. Il a un briquet parce qu'il fume. Mais Annick n'a pas de feu parce qu'elle, elle ne fume pas. Pardon, mademoiselle, vous avez du feu? Non, je ne fume pas. Regardez ce monsieur, il fume. Cette dame aussi fume. Et voilà un tracteur qui fume. Ça, c'est un feu qui fume. Ça, c'est de la fumée. Une dizaine d'étudiants attendent devant un bureau à la Sorbonne. Voilà le bureau de M. Bellot chez Renault. Ça, c'est le bureau de Mme Bellot au ministère de la Santé. Ces étudiants attendent. Cette dame attend. Elle attend l'autobus. Les Bellot attendent Mireille pour déjeuner. Ces messieurs attendent. Eux aussi, ils attendent. Les étudiants attendent. Ils font la queue. Ils forment une file. Ils font la queue. La tête de la file, la queue. Et là, le bout de la queue. Voilà un doigt et le bout du doigt. Ça, c'est une rue et voilà le bout de la rue. Les étudiants font la queue. Ils attendent. Ça ne va pas vite. Maintenant, oui, maintenant, ça va vite. Jean-Pierre arrive. Il examine la situation, il observe, il étudie la situation. Ici, Robert examine son plan de Paris. Et là, Mireille examine la carte. Et voilà un docteur qui examine un patient. Et ce monsieur examine une procession de fourmis. Quand Jean-Pierre va vers la tête de la file, des voix commencent à protester. À la queue, comme tout le monde. Il resquille parce qu'il ne va pas à la queue, comme tout le monde. Il resquille. Regardez ce monsieur. Il resquille. Et les Français aiment bien resquiller. Jean-Pierre Bourdon dit qu'il y a beaucoup de trucs pour engager la conversation. Il y a plein de trucs. Ce ne sont pas les trucs qui manquent. Enfin, ce n'est pas les trucs qui manquent. Manquer. Regardez ici. Ici, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Ah, les verres. Ce sont les verres qui manquent. Maintenant, ce ne sont pas les verres qui manquent. En France, il y a beaucoup de cafés. Ce ne sont pas les cafés qui manquent. Il y a aussi beaucoup d'églises. Ce ne sont pas les églises qui manquent. Il y a aussi beaucoup de châteaux. Ce ne sont pas les châteaux qui manquent. Ce ne sont pas les trucs qui manquent. Un des trucs, c'est de faire semblant de tomber dans un escalier. Et voilà, c'est parti. Un escalier, voilà, un escalier. Ce ne sont pas les escaliers qui manquent. Évidemment, il ne faut pas tomber vraiment. Il faut faire semblant de tomber. Il faut faire semblant comme Mireille, vous vous souvenez? Elle voit Jean-Pierre, mais elle fait semblant de ne pas le voir. Ici, Marie-Laure fait semblant de dormir. Un autre truc, c'est de laisser tomber des papiers devant la jeune fille. La jeune fille vous aide à les ramasser, vous la remerciez, et voilà, ça y est, c'est parti. Pour ça, il faut laisser tomber vos papiers.
Ici, Jean-Pierre laisse tomber ses papiers. Ici, Marie-Laure laisse tomber le plateau du goûter. Et cette dame laisse tomber une statue. Mais le grand truc de Jean-Pierre, c'est de faire semblant de connaître la jeune fille. Tiens, c'est vous. Comment ça va depuis l'an dernier? Vous ne vous souvenez pas de moi? Mais si, voyons, l'été dernier à Saint-Tropez, ou l'hiver dernier à Courchevel, ou en Patagonie, ou l'an dernier à Marienbad. L'été dernier, l'hiver dernier, l'an dernier, le mois dernier. Voyons. Si nous sommes au mois de mai, le mois d'avril, c'est le mois dernier. Et le mois de juin, c'est le mois prochain. Jean-Pierre fait semblant d'avoir rencontré la jeune fille l'été dernier à Saint-Tropez. Mais si, voyons, l'été dernier à Saint-Tropez. À Saint-Tropez? Pourquoi Saint-Tropez? Eh bien, parce que Saint-Tropez est très connu, très chic. Tout le monde va à Saint-Tropez. Il y a des nanas, des fils à papa qui ont de l'argent, des yachts. En hiver, tout le monde, enfin, presque tout le monde, va à Courchevel. Ou alors en Patagonie. Tous ces trucs de Jean-Pierre, ce sont de vieux trucs. C'est pas bien neuf. Tout ça, c'est pas bien neuf, on connaît. Mais ça, ce n'est pas neuf. Ce n'est pas une maison neuve. Cette maison n'est pas neuve. Tout ça, c'est pas bien neuf, on connaît. Vous n'avez rien de mieux. Vous n'avez rien de mieux. Elle n'est pas très neuve. Jean-Luc fait de la sociologie. Il fait aussi du droit. Il étudie à la faculté de droit. Si on fait du droit, on peut devenir avocat, magistrat, juge. Le droit mène à tout. Ah, t'as raison. Le droit, ça mène à tout. Et cette route mène à Montargis et à Auxerre. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Et le crime mène en prison. Je fais de la sociologie et du droit. Ah, t'as raison. Il a raison. Je vais au lit. Oui, tu as raison. Va au lit. Bonne nuit, ma puce. Bonne nuit. La copine de Jean-Pierre est une matheuse. Elle est très intelligente. Aujourd'hui, toutes les filles font des maths. C'est la nouvelle mode. C'est la nouvelle mode. Regardez. Tout le monde porte des lunettes noires. C'est la nouvelle mode. La copine de Jean-Pierre est une matheuse. Elle est très forte en maths. Elle est très intelligente. C'est un cerveau. Et lui, c'est un cerveau? Non, lui, ce n'est pas un cerveau. Lui, c'est tout dans les bras, rien dans la tête. Mais la copine de Jean-Pierre, ça oui, c'est un cerveau. Elle vient d'entrer à l'IX, à l'école polytechnique. Parce qu'elle veut se spécialiser en informatique. Elle veut travailler avec des ordinateurs. Ou alors en astrophysique. Jean-Pierre, lui, fait de la psycho. Il fait de la psychologie. Il va peut-être faire de la médecine. Pour être un médecin, il faut étudier la médecine. Ou bien il va peut-être faire de la psychanalyse. Parce que les psychanalystes font leur beurre. Les psychanalystes reçoivent beaucoup d'argent. Ils deviennent riches. Ou alors il va peut-être faire HEC, l'école des hautes études commerciales, pour entrer dans les affaires, dans le business. Ou bien il va faire l'IDEC. Pour être cinéaste, il n'est pas fixé, il hésite, il n'arrive pas à se décider, comme Marie-Laure ici, regardez. Je n'arrive pas à me décider. Ben décide-toi. Jean-Pierre ne veut pas se décider trop jeune, parce que c'est trop dangereux. Je ne veux pas me décider trop jeune, c'est trop dangereux ça. Le patin à glace aussi c'est dangereux, l'escrime aussi c'est dangereux. Très dangereux. Et quel âge as-tu? Moi, j'ai 29 ans, pourquoi? 29 ans?
C'est plutôt vieux pour un étudiant, non? Vous êtes étudiante? Oui, je suis à l'université. Quel âge avez-vous? J'ai 21 ans. Vous travaillez? Non, je suis étudiant. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Bon, maintenant, à vous. Vous allez parler français. Écoutez ce dialogue entre le professeur et la jeune fille. Vous êtes étudiante? Oui, je suis à l'université. Vous êtes étudiante? Oui, je suis à l'université. À vous maintenant. Vous êtes la jeune fille. Répondez. Vous êtes étudiante? Oui, je suis à l'université. Quel âge avez-vous? J'ai 21 ans. J'ai 21 ans. J'ai 21 ans. Qu'est-ce que vous pensez de la psychanalyse? La psychanalyse, c'est intéressant. En tout cas, les psys font leur beurre, ça c'est sûr. Jean-Luc et Jean-Pierre essaient d'identifier les gens d'après ce qu'ils portent. Il y a une jeune fille qui porte une robe violette. Ça, c'est une jupe rouge. Et ça, c'est un pantalon bleu. Ça, c'est un chemisier. Ça, c'est une chemise rose. Un chemisier pour une femme et une chemise pour un homme. Là, c'est une veste noire et ça, c'est un foulard. La jeune fille qui porte une veste noire et des jeans est rousse. Elle aussi est rousse. Elle fait du russe. Elle est russe? Non, elle n'est pas russe, elle est rousse. C'est une Française rousse qui fait du russe. Elle fait du russe aux langues orientales. C'est une rousse française qui fait du russe. Elle est rousse, mais elle n'est pas russe. Ça, oui, ça, c'est une russe rousse. Maintenant, faites très attention, regardez. Ça, c'est une russe brune. Jean-Pierre dit qu'une des jeunes filles qui sont dans la cour est la petite fille de Greta Garbo. Laquelle? Celle avec le pantalon blanc, le chemisier bleu et vert et le foulard? Mais non, pas celle-là, l'autre, à côté. Observez. C'est laquelle? Celle-ci? Celle-là? Celle qui porte une jupe? Celle avec un pull bleu? Celle à côté? Jean-Pierre s'en va parce qu'il trouve que la queue n'avance pas assez vite. Ça va pas vite, hein? Ça fait longtemps que vous attendez? Une bonne demi-heure. Oh. Ah zut alors, je peux pas rester, moi. J'ai un rendez-vous avec une fille superbe à l'escalier. Bah, je me sauve. Il ne reste pas. Il s'en va. Il se sauve. Observez ce que dit Marie-Laure ici. Tu viens? Non, je reste. Bon, comme tu veux. Marie-Laure reste au Luxembourg. Jean-Pierre ne reste pas parce qu'il a un rendez-vous. Voilà un rendez-vous. Ça, c'est un rendez-vous d'affaires. Et ça, c'est un rendez-vous galant. Annick ne trouve pas Jean-Pierre très sympathique. Elle le trouve puant. Ah là là, il est puant ce mec! Il est puant. Il pue. Oh là là! Qu'est-ce que ça pue ici? Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Oh. C'est ce fromage qui pue. Oh là là, il est puant ce mec. Non mais pour qui se prend-il celui-là? Ce Jean-Pierre se prend pour un Don Juan. Tenez, regardez ça. Ça, c'est Napoléon. Et ça, ça c'est Robert qui se prend pour Napoléon. Ça, c'est Louis XIV. Ça, c'est Robert qui se prend pour Louis XIV. Il s'imagine que les filles sont là pour lui tomber dans les bras, peut-être. Quelle tête d'idiot! Moi, ça me tue des types comme ça. Ça me tue. Ah, ça me tue des types comme ça. Bon, fille, il n'est pas bien malin, mais il est inoffensif. Ça, c'est un animal
inoffensif. Mais ça, ce n'est pas un animal inoffensif. Ah, vous êtes bien tous les mêmes, vous les hommes. Ah, vous êtes bien tous les mêmes, vous les hommes. Tiens, tu es inscrite au MLF, toi, maintenant. MLF, Mouvement pour la Libération de la Femme. Bon, regardez ce jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de draguer Mireille. Est-ce que ça marche? Non. Et maintenant, regardez ce jeune homme. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Ça va depuis la semaine dernière? Oh, vous avez une très jolie jupe rouge. Vous ne me reconnaissez pas? Oh, moi je l'ai tué, le type comme ça.